Supposons qu'on veut encadrer ce texte. On le sélectionne. Et dans Accueil, et dans ici, Border les trames. On a ici Border de page, on a trame de fond, on fait Bordure. On fait Encadrement. Et ici, on prend le texte. Si on fait le texte, vous allez voir. Et voilà, le texte est encadré. Annuler, on va faire encore une fois, on sélectionne le texte. Dans Bordure, dans Accueil, Bordure et trame. Vous pouvez encadrer ici. Choisir encadrement. Vous pouvez choisir la couleur. Par exemple, rouge. Ici, sa taille. Ou bien la forme. Le style. Si on prend ce style-là. On a le paragraphe. Quand on valide, on a tout le paragraphe. C'est-à-dire toute la ligne. Mais si on veut juste le texte, on va annuler. On va faire bordure, bordure et trame. Encadrement, on choisit une couleur, par exemple verte, et ici, au lieu d'avoir un paragraphe, on va prendre un texte. Donc, on va prendre juste le texte et on valide. Et voilà, pour changer la taille, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Maintenant, pour changer la forme de ce texte. Le sélectionner, vous avez gras, vous pouvez le souligner, vous pouvez changer la couleur de remplissage, vous pouvez changer la couleur du texte. On sélectionne d'abord le texte, on change ici, vous pouvez changer la couleur du texte.